Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième partie de speedrun sur ICO en moins de 2 heures. On s'attaque au chemin jusqu'à la deuxième arène. Cette fois-ci, on va même la terminer et aller jusqu'à la porte principale. Donc comme ça, il nous restera un petit rush pour la fin. Donc ici, une petite optimisation possible en montant sur ce muret et en sautant directement ici. Donc une très belle optimisation même parce qu'elle doit faire gagner une petite dizaine, voire une vingtaine de secondes. Donc ça, c'est assez cool. Donc ici, vous poussez le bloc, vous arrêtez de le pousser un petit peu plus tôt, l'histoire de ne pas le pousser en trop, parce qu'effectivement, quand vous restez appuyé sur rond, c'est assez chiant parce que vous avez un petit temps de latence avant que Kiko arrête de pousser. Donc ici, en réalisant bien votre saut, vous avez moyen de ne pas vous raccrocher au rabord. C'est assez rare et difficile à réaliser, mais ça peut faire gagner une petite seconde. Donc ici, vous réalisez un double saut, voilà, nickel, pour pouvoir être précis dans ce que vous faites et du coup d'aller chercher Yordle plus rapidement possible. Donc là, vous la prenez par la main et c'est parti. Donc là, je ne sais pas du tout, mais alors du tout ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà comment perdre du temps. Donc là, voilà, du coup, je suis obligé de l'attendre. Donc là, c'est une optimisation qui est carrément possible. Parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à cause d'elle. Donc comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Soit elle ne veut pas, soit elle réalise des mauvaises actions. C'est d'un chiant, mais pas possible. L'intelligence artificielle de Yorda, c'est quelque chose. On pourrait polémiquer des heures et des heures là-dessus. Donc là, des ennemis apparaissent, mais vous changez de zone très rapidement, donc ça pose pas trop de problème. Par contre, vous allez revenir dans cette pièce, mais par le haut cette fois-ci, en passant par cette pièce de transition du coup. Le problème, c'est qu'il va falloir être le plus rapide possible et bien manipuler les ennemis si jamais vous voulez pas vous taper de combat et du coup gagner du temps. Donc c'est assez dur à réaliser et assez aléatoire, j'ai l'impression. Donc je sais pas si c'est aléatoire, voilà, enfin, en fait, je sais pas exactement comment ça se passe. Donc on va voir ça tout simplement. Donc là, hop, on va foncer directement par ici. Donc là, on arrive du coup par le haut de la pièce. Donc là, nickel. Et on va se diriger le plus rapidement possible. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement de longer le mur pour essayer, de les bugger en fait sur la, vraiment en dessous, parce qu'on est aérien en fait. Enfin, on est plus en haut par rapport à eux. Et du coup, ça nous fait gagner pas mal de temps. Donc là, vous arrivez le plus rapidement possible au niveau de la plateforme. Et là, vous vous mettez à pousser le monte charge le plus rapidement possible. Donc là, une petite information qui est très très importante, c'est que plus vous prenez la manivelle par l'extérieur, donc là vous voyez que je suis au bout de la manivelle, je suis le plus loin possible du point de centre, plus vous montrez le monte charge plus rapidement en fait. Donc si vous prenez la manivelle de l'intérieur, donc le plus proche possible du point de centre, vous allez le monter plus lentement en fait. Donc du coup, il faut essayer de le prendre le plus au bord possible. Le problème, c'est qu'il y a un changement de zone que voici, normalement. Là, à peu près, enfin voilà, il y a un changement de zone et là Ico va se recaler au centre de la manivelle. Du coup, il faut bien se remettre au bord de celle-ci et grimper le plus rapidement possible. Donc ça optimise quelques petites secondes de temps et franchement, c'est pas de refus. Moi, je vous cache pas que là c'est pas à refuser ce petit truc là. Donc là, du coup, hop, vous le poussez jusque là. Donc là, vous voyez qu'il a continué de pousser parce que j'ai relâché trop tard ma touche rond. Donc du coup, ici, vous avez un petit banc si vous voulez sauvegarder. Et ici, vous appelez votre petite Yorda pour qu'elle arrive. Donc là, du coup, elle saute assez rapidement, tant mieux. Vous avez un péricipice qui est assez long pour la faire remonter. Ça, c'est assez chiant. Par contre, donc ici, hop, voilà, vous la faites remonter. Vous la déposez à peu près ici. Ensuite, vous le laissez tomber. Donc là, du coup, on tombe directement au niveau d'un petit précipice. Vous sautez sur la petite barre. Donc comme ceci, en faisant un saut inerte encore. Hein. Vous ne bougez pas et vous faites triangle et la direction souhaitée directement. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, du coup, ouais, on ne peut pas appeler Yorda pour l'instant parce que sinon, j'aurais bien dit de se mettre directement au bord du truc. Donc là, il va falloir aller chercher Yorda d'abord et ensuite faire le moment de la bombe. Donc il y a un jet, je dirais, de bombe à faire qui est assez technique. Donc là, j'aime pas du tout ce moment-là parce que souvent, je me foire en fait. Je vous cache pas que c'est pas la première fois encore que j'essaye ce segment. Donc là, tac. Donc de même que le saut là que je vais réaliser, il est assez technique à faire. Donc hop, et tac. Voilà, donc ici, si vous arrivez sur la plateforme, c'est parfait. Il y a même moyen de sauter et de se raccrocher à ces trucs-là. Donc c'est j'ai réussi à le faire dans le try précédent que j'ai fait. Mais le problème, c'est que je me suis foiré après sur la scène de la bombe. Donc du coup, j'ai pas pu garder ça. C'est assez dommage parce que c'était vraiment assez beau. Donc ensuite ici, voilà, vous vous dirigez vers le truc, vous descendez un tout petit peu, ça sert à rien de descendre beaucoup. Et ensuite vous sautez sur le pont. Donc ce qui va l'activer, donc là nickel, vous dirigez vers le bord du pont et là vous tendez la main à notre cher Yorda. Qui parle d'abord va pas vouloir venir. Voilà. Donc ensuite, il me semble qu'elle va se décider. Voilà, nickel. Allez. Donc là voilà. Donc là elle va sauter normalement toute seule. Ce que j'espère. Voilà, regardez l'intelligence artificielle un petit peu de la dame. C'est incroyable, je perds du temps en plus à cause d'elle, c'est juste trop fou quoi. Donc des fois elle veut sauter toute seule, des fois elle veut pas sauter, Ico tend même pas sa main pour pouvoir l'aider. Donc
Du coup, je peux pas faire grand chose. Donc, je vais aller faire le moment de la bombe et j'irai la chercher après parce que sinon, je vais perdre un temps. Encore plus fou. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre le bâton, ce qui est assez cool. Ça va vous faire gagner du temps. Donc, vous pouvez sauter quand vous avez une bombe dans la main. Ça, c'est assez utile à savoir, par exemple, pour ce moment-là où vous pouvez sauter directement et c'est beaucoup plus rapide. Donc là, du coup, elle a pas du tout sauté toute seule. Ici, vous pouvez activer la bombe tout simplement en sautant comme ceci vers la torche. Donc là, si vous sautez bien, de préférence. Voilà, nickel. Et ensuite, vous la lancez à peu près arrivé ici. Voilà, donc nickel. Là, c'est réussi. Vous passez la cinématique. On va aller chercher Yorda qui est une parvèche pas possible. Et ensuite, on va l'emmener jusqu'à l'endroit souhaité. Donc voilà. Donc là, déjà, j'ai perdu une bonne dizaine de secondes à cause d'elle. Donc ça, c'est assez ouf. Donc voilà. Donc là, je suis obligé de l'appeler. Là, elle va sauter. Et là, je la laisse se démerder toute seule. Voilà, nickel. Donc voilà un petit peu le script du truc. Il faut vraiment se mettre au bout de la plateforme comme si vous alliez l'aider. Et là, du coup, elle se déroule toute seule par la suite. Donc là, vous continuez de l'appeler. Vous prenez la chaîne ici dans le bon sens directement, de préférence. Donc ça, c'est vraiment pas une zone facile. Là, je viens de perdre du temps, donc j'ai perdu un petit peu d'avance. C'est assez dommage. Je m'en excuse et à la fois, je suis un petit peu dégoûté. Donc ici, vous poussez le bloc qui est juste là. Donc là, nickel. Hop. Ensuite, vous le repoussez dans ce sens-là. Ça, c'est parfait. Ensuite, vous avez un petit interrupteur activé. Je vous cache pas que c'est la salle la plus dure jusqu'à l'arène. Ça, c'est vraiment la salle la plus complexe. Donc là, ensuite, tac. Vous activez le truc, vous passez la cinématique. Vous ressautez directement comme ceci pour gagner du temps. Et là, pareil, vous avez une échelle, donc prenez-la bien modérément. C'est-à-dire pas en faisant des sauts ou des trucs de ouf. Même si là, je ne me suis pas dirigé directement vers l'échelle, donc j'ai dû perdre une petite moitié de seconde quand même. Donc ici, hop, vous sautez directement sur la chaîne correctement, de préférence pour éviter de se tuer. Donc là ensuite, vous prenez une fois de l'élan, comme ceci, et vous vous élancez. Donc là, vous voyez que ça fait gagner un temps fou. Ensuite, vous prenez le petit truc. Donc là, le prendre de l'extérieur ou de l'intérieur, ça change rien. Vous pouvez le prendre comme ceci, ça changera absolument nothing. Donc ici, hop, vous continuez de tourner. Ici, vous avez une petite cinématique que vous passez avec brio. Ici, laissez la caméra se replacer avant de sauter parce que c'est très facile de se tuer en sautant mal sur la chaîne. Ça m'est déjà arrivé, donc je vous le dis direct. Ici, pareil, vous réalisez votre petit saut. Ensuite, vous sautez là. Donc là, une fois que vous allez arriver ici, des ennemis vont apparaître. Donc là, hop, ce que vous faites, c'est que vous sautez directement sur cette plateforme et vous aidez Yorda directement. Donc normalement, si elle se débrouille bien, elle va sauter toute seule. Parfait. Donc là, voilà, nickel. Vous ne l'aidez pas. Et là, vous sautez directement sur l'autre bord. Et là, vous l'appelez à fond. Donc là, hop, faut que je me mette au bout comme si j'allais l'aider. Et elle va sauter d'elle-même. Donc là, parfait. Donc là, j'ai vraiment bien réussi mon action contextuelle. Et là, nickel. Hop, vous arrivez directement au truc. Impossible de passer la cinématique. Mais vous n'avez pas du tout rencontré d'ennemis. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème jusqu'à l'arène. Tant mieux. Ça, je ne vous cache pas que ça me rassure énormément. Parce que c'est vraiment une zone qui n'était pas facile à passer. Non seulement pour moi. Je viens de réessayer plusieurs fois avant de réussir à arriver jusqu'ici. Donc là, il y a un pont qui n'est pas activé. Si, il est activé. Il n'y a pas besoin de le réactiver, il me semble, après. Je ne sais plus exactement. Hop, voilà, nickel. Donc là, on se dirige directement vers l'arène. Et ensuite, il y aura quelques petites actions à réaliser. Rien qui va nous faire perdre énormément de temps. Par contre, là, on se tape un méga black screen. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, nickel. Donc, ouais, c'est une grosse zone à charger. C'est pour ça qu'il y avait un plus gros écran noir que d'habitude. Donc le but, ça va être d'activer la deuxième porte principale, tout simplement, et ensuite de se rendre jusque là-bas. Donc sachant que moi, je pense que je vais me rendre jusqu'à la dernière sauvegarde du jeu, et pour la dernière partie de speedrun, je vais rusher jusqu'à la fin, tout simplement. Donc au moins, ce sera fait, en espérant pas me foirer. Je pense que je ferai une petite coupure quand même, histoire de voilà, de ne pas avoir besoin de recommencer énormément de trucs si jamais je me foire, parce que c'est très facile de se foirer quand même à certains moments du truc. Sachant que je suis assez large au niveau du temps, donc je peux me permettre des erreurs pour la fin, etc. Je préférais me laisser de la marge jusqu'à la fin pour vraiment être à la fin un petit peu plus à l'aise sur mon temps, etc. Donc là, hop, une cinématique qui, encore une fois, n'est pas passable. Donc là, tac, nickel. Donc là, elle va rentrer toute seule. Donc impossible de passer la cutscene, du coup. Tac, on rentre. Donc là, je vais aller jusqu'à la sauvegarde du truc et ça clôturera ce premier segment, du coup. Donc là, vous la prenez par la main et vous montez l'échelle. Comme ceci. Donc là, elle va pas la monter automatiquement parce qu'elle est assise. Nickel. En général, elle est assez débile, donc du coup, ça pose problème. Donc là, allez couper la corde qui est de l'autre côté, parce qu'il me semble que quand on coupe celle qui est dans l'autre sens, malheureusement, ça active les monstres, ce qui est assez chiant. Donc là, du coup, on va aller couper celle-ci en premier. Vous réalisez un petit saut et vous mettez un coup d'épée. Donc de préférence sans le foirer. Voilà, nickel. Vous passez la cinématique. Donc là, j'ai perdu un petit peu de temps. Il y avait une optimisation qui était possible. On se dirige vers l'autre.
tout simplement l'autre corde, du coup, l'autre porte. Donc la porte de gauche, hein, c'est tout simplement derrière celle-ci que vous allez trouver la sauvegarde. Donc j'espère qu'au niveau du temps, je serai toujours en avant, je vais vous dire ça tout à l'heure. Hop, vous sautez et vous mettez votre coup d'épée. Donc voilà, nickel. Donc là, vous pareil, vous réalisez votre saut, vous prenez Yorda par la main et hop, vous vous dirigez vers la sauvegarde. Donc là, nickel. Donc des ennemis ne sont même pas apparus. En général, il y a des ennemis qui apparaissent à ce moment-là, mais là, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Donc ici, hop, vous dirigez vers le canapé, vous mettez dessus et vous appelez Yorda. Donc ici, on réalise une petite sauvegarde. Si elle veut bien s'asseoir, oh là là, j'avais même pas vu que du coup, il s'était pas assise. Du coup, j'ai perdu encore quelques secondes. Voilà, il y a moyen d'optimiser, comme vous pouvez le voir. L'intelligence artificielle est horrible dans ce jeu, c'est incroyable. Donc, 1h06. Et je suis à 1h05. Donc pour vous donner les temps, donc je suis à 1h05.06. Le site est à 1h09.43. Donc j'ai 4 minutes d'avance. Et l'autre, la vidéo YouTube est à 1h06 et quelques. Donc j'ai 1 minute d'avance et 4 minutes d'avance. Donc voilà pour ce premier segment qui n'a vraiment pas été facile à réaliser. J'aurais pu gagner du temps à être à 1 minute 4. Malheureusement, j'ai pas réussi, c'est dommage. Parce que j'ai perdu du temps à cause de notre cher Yorda. Donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas, on va s'attaquer tout de suite au deuxième segment, c'est-à-dire tout l'escalier de Little West. Donc c'est parti pour ce second segment de la quatrième partie du speedrun de Hippo en moins de 2 heures. On s'attaque cette fois-ci au vif du sujet, c'est-à-dire l'escalier des Little West. Donc ici, prenez tout de suite un bâton et grimpez à l'échelle. Donc pour pouvoir activer tout simplement les deux premiers luminaires de cette arène, tout simplement. Donc ici, vous passez la cinématique le plus rapidement possible. Si vous la passez trop tôt, vous voyez que les bandes noires persistent un tout petit peu avant que vous puissiez reprendre le contrôle de Ico. Donc ici, vous allumez votre torche et vous allez tout de suite allumer les deux luminaires qui sont en bas. Donc comme ceci, donc sans perdre trop de temps. Ici, une cutscene s'active, donc là, vous la passez directement. Ensuite, vous passez la barrière. Voilà, une fois en bas, vous allez appeler Yorda. Vous allez entendre, voilà, qui crie comme ceci. Ensuite, vous grimpez au piédestal, donc pendant qu'elle, du coup, elle descend l'échelle pour gagner du temps. Et du coup, pendant ce temps-là, vous l'appelez comme si vous vouliez l'aider à monter, en fait, sur le piédestal. Et ça va avoir pour effet, en fait, de ne pas la bugger dans les escaliers. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, normalement, elle devrait monter assez vite. Voilà, nickel, ça fait pas perdre trop de temps. Ici, une cinématique s'enclenche, vous la passez directement. Donc là, vous la laissez en bas du piédestal lumineux. Tout simplement, vous allez voir pourquoi, c'est qu'après, on va la reprendre et on va la ramener dans le hall. Enfin, dans une autre salle, en fait, un petit peu plus à côté. Donc là, vous allumez votre torche et vous activez l'interrupteur ou l'inverse, ça changera pas grand chose. Donc ensuite, vous activez les deux luminaires. Donc en voici un, hop, et le deuxième. Donc une fois que vous aurez activé ça, des ennemis vont apparaître. Donc il faudra rapidement aller chercher Yorda et la faire monter l'échelle. Donc ça, c'est assez technique. Mais dans l'ensemble, si vous en sortez bien, ça devrait même pas poser de problème. Donc regardez comment je vais faire. Je lui prends la main, je monte l'échelle avec elle. Donc là, elle va pas monter l'échelle avant que j'aurai terminé de monter la mienne. Donc là, vous vous approchez comme si vous vouliez l'aider à grimper l'échelle. Mince. Vous approchez comme ceci, voilà, et ensuite vous la sollicitez exactement comme si, voilà, vous vouliez l'aider à grimper. Donc ensuite de ça, vous lui prenez la main. Donc n'oubliez pas que les épées sont juste à côté du banc de sauvegarde ici. Donc là, vous revoilà dans le hall, des ennemis apparaissent. Donc là, du coup, vous descendez le plus rapidement possible et vous l'emmenez dans la salle du cours d'eau qui est en fait la salle adjacente à l'autre, tout simplement. Enfin, adjacente, de l'autre côté plutôt. Donc ici, on arrive dans la pièce du cours d'eau et là, il faut la positionner à peu près dans le coin, juste là. Voilà, histoire qu'elle soit tranquille. Et ensuite, vous retournez dans l'autre salle. Donc là, j'ai perdu un petit peu de temps, je me suis bugué contre le mur. Donc l'attaque. Et ensuite, on va se diriger tout de suite vers, du coup, la pièce où se trouve votre épée. Alors ici, très très important, n'oubliez surtout pas de reprendre l'épée. Parce que si jamais vous l'oubliez, c'est mort, vous pouvez recharger votre partie. Parce que du coup, il faudra refaire là le chemin de malade pour pouvoir retomber au bon endroit pour pouvoir reprendre une épée. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de recharger votre partie si jamais vous avez oublié de prendre votre sword. Donc ici, on va déplacer le panneau lumineux qui est juste en face de nous. Donc celui-ci, il fonctionne exactement comme le monte-charge, c'est-à-dire plus vous prenez la poignée sur la droite, sur l'extérieur, plus vous le déplacerez vite. Donc ça, c'est très important à noter. Hop, donc vous déplacez comme ceci. Donc là, je sais pas ce qu'il a fait. Hop, et là vous le tirez. Donc là, vous voyez que je le déplace très très rapidement par rapport à d'habitude. Là, hop, une cutscene s'enclenche, cool, à passer directement en appuyant à fond sur start. Donc ensuite, on va directement se diriger vers l'échelle. Donc ici, il va falloir être très très prudent avec la prochaine chaîne, parce que vous allez voir que celle-ci, vaut mieux la prendre directement dans le mauvais sens que dans le bon sens, parce que c'est très 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 dangereux de la prendre dans le mauvais. Donc hop, vous sautez comme ça directement dessus, et là ensuite, vous vous tournez directement dans le bon sens et vous montez. Donc je conseille fortement de faire ça, parce que essayer de la prendre dans le bon sens, celle-ci,
c'est quasiment, c'est vraiment très dur. Et en plus, bah voilà, ça c'est souvent c'est le fail. Donc du coup, vaut mieux être prudent et jouer correctement le gars. Donc du coup ici, hop, on essaye de couper les deux cordes d'un coup. Alors j'ai une technique pour ça en fait, pour couper les deux cordes d'un coup, c'est assez simple. C'est tout simplement de sauter et d'appuyer sur carré au moment où vous êtes entre les deux cordes, comme ceci. Et vous voyez que là, deux fois de suite, j'ai réussi à le faire. Donc là ensuite, vous activez la dalle. Là c'est nickel. Et là regardez un petit peu, on arrive directement dans la pièce où Yorda se trouve. Donc là vous activez l'interrupteur. Voilà, nickel. Et ensuite, tac, vous réactivez la dalle. Et là, il va falloir faire le truc avec la main. Du coup, vous sautez comme ceci de la plateforme. Là, vous tombez. Vous n'avez même pas de temps de recovery, donc c'est parfait. Vous traversez le pont et vous allez trouver des bombes de l'autre côté de celui-ci. Donc, grâce à celle-ci, vous pourrez tout simplement exploser la porte de tout à l'heure. Là, du coup, on va se diriger rapidement vers les bombes. Donc, ça, c'est une des scènes les plus dures de tout le, de toute l'arène. En tout cas, pour moi, parce que je déteste les moments avec les bombes. Je ne suis pas du tout précis et la part du temps, je me foire. Donc, là, je vais me laisser une marge d'erreur de deux fois, quitte à perdre mon avance. C'est tout simplement pour, bah pour réussir à faire ce truc-là que j'ai tant de mal à faire. Donc là, vous activez la bombe, vous dirigez dans l'autre sens, et là, vous la lancez à peu près ici. Donc là, du coup, ça a explosé le truc. Nickel, j'ai réussi du premier coup. J'ai un gain de temps de fou. Je suis super, là, je vous avoue que je suis super content d'avoir réussi. Donc là, du coup, hop, vous vous dirigez vers la pièce juste à côté. Et vous vous en doutez, c'est tout simplement la pièce du cours d'eau. Et vous appelez votre chère dame qui va vous rejoindre le plus rapidement possible. Et si vous êtes assez rapide, parce que si vous allez chercher une deuxième bombe, vous allez voir qu'il y a des ennemis qui apparaissent dans cette salle. Donc du coup, si vous êtes assez rapide, normalement, aucun souci, vous ne rencontrez aucun obstacle. Et du coup, c'est parfait. Donc là, du coup, on se redirige vers là. Hop, attaque. Donc là, il y a une petite transition, du coup, on retombe dans l'autre salle. Donc là, parfait. Donc là, par contre, vous voyez qu'il y a des ennemis qui apparaissent. On vient de voir un trou noir apparaître en bas, mais ça pose aucun problème, parce que du coup, on va rusher dans cette salle. Et voilà. Donc là par contre on va rencontrer des ennemis quand on sera sur les plateformes. Donc là il faut être très mais alors très très prudent. Donc soit vous essayez d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de tout simplement de résister jusqu'à la petite plateforme, enfin, les petites statuettes, soit tout simplement. Donc, par contre je sais pas si les ennemis peuvent vous attaquer pendant que vous êtes sur les plateformes. Ça n'a pas l'air. En tout cas ils n'ont pas l'air de pouvoir choper Yorda. Voilà, nickel. Regardez, on n'a même pas eu besoin. On n'a même pas eu besoin du coup de choper la. Enfin de les tuer, donc ça c'est vraiment super pratique. Donc par contre là il va falloir faire exactement comme dans la première arène, c'est-à-dire rechoper les enfin aller choper un bâton en bas, remonter, etc. Donc c'est assez chiant, mais du coup ça se fait. Donc là par contre j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il y a des. Ouais, nickel, bon, il y en a juste là, donc du coup c'est parfait. Donc là du coup vous descendez Yorda de l'ascenseur, vous chopez un bâton, vous remontez, vous allez allumer votre torche et vous allumez les luminaires qui sont juste là. Donc voilà, c'est la fin de l'arène ouest. Donc on aura terminé avec ça et je pense que je vais aller jusqu'à la porte principale par la suite, ce qui ne devrait pas trop poser de problème. Je vais quand même faire une petite sauvegarde pour savoir un peu le temps que j'aurai et ensuite on se dirigera directement vers la porte principale pour savoir un peu où j'en suis, à combien de temps, et je pense que ça clôturera cette quatrième partie. Donc là hop, vous allez juste là, en fait. Vous allumez votre premier luminaire et ensuite, mince, alors ça j'avais oublié par rapport à la première arène, il faut refrapper et ensuite rallumer sa torche par rapport au premier luminaire et allumer le deuxième. Là vous passez la cinématique, là il me semble qu'il y a une triple cutscene. Voilà, une deuxième et enfin une troisième qui est plus longue à charger, celle-ci. Voilà, et ensuite vous passez cette troisième et là c'est la fin. Donc là du coup je vais aller sauvegarder et ensuite on va se diriger vers. Faire un détour, on va se diriger directement vers la porte principale. Alors, je vous cache pas que là, du coup, on va enchaîner directement, quitte à ce que je prenne un risque. Au pire, si jamais vous voyez qu'il y a une coupure par la suite de la vidéo, ça veut dire que je me suis foiré et que du coup, ben voilà, si je fais ça, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie de recommencer toute ma vidéo, sachant que là, j'ai bien géré. Donc là, nickel, hop, on va se diriger vers la porte principale. Donc là, je sais pas si des ennemis apparaissent à ce moment-là, je me rappelle plus du tout. Il me semble que non. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, par contre, il me semble que j'ai encore besoin d'allumer le truc pour pouvoir redescendre plus rapidement. Je sais plus du tout. Alors par contre, c'est vrai que si je perds de l'avance, c'est pas non plus ultra grave. Je pense que je m'en contenterai quand même. Donc là, tac. Donc si jamais il y a plein de. Enfin, si jamais il n'y a pas besoin tout simplement de l'emmener jusqu'au le. Mince, je vais y arriver. S'il n'y a pas besoin de l'emmener dans l'autre salle, je pense que je vais la laisser en bas de l'échelle.
Donc comme ça, il n'y aura vraiment pas besoin de me soucier d'elle. Donc là, je pense que s'il y a une échelle et une pièce en haut, c'est tout simplement que je suis obligé de l'emmener jusque là. Ouais, sûrement. Donc du coup, on va continuer de grimper. Donc par contre, je sais pas où elle est. Ouais, bref. De toute façon, on la recroisera dans la prochaine pièce, donc il n'y a pas trop de problème. Donc ici, du coup, vous avez un interrupteur activé, c'est bien ce que je me disais, parce que des fois j'ai des petits trous de mémoire, je ne sais même plus comment ça fonctionne. Donc voilà, du coup on a activé l'interrupteur, vous redescendez. Donc là le problème c'est vrai que j'avais même pas remarqué, mais j'ai un bout de bois dans les mains plutôt que mon épée, donc ça c'est un petit peu dommage. Excusez-moi, hop. Donc là c'est pareil, vous lâchez prise trois fois d'affilée et vous retombez en bas. Donc ici par contre, elle s'est écartée, ce qui me fait perdre du temps, merci madame. Comme d'habitude, je perds souvent des secondes à cause d'elle. Donc là, par contre, il y a besoin de rien faire hein, pour activer. Hein. Il faut vraiment se diriger directement vers la sortie. Donc on va essayer de rusher. Il ne devrait même pas y avoir de soucis là, jusqu'à la fin du truc, jusqu'à la porte principale. J'ai hâte de voir mon temps, je ne vous le cache pas, parce qu'il me semble que le temps arrivé à la porte principale, il est de 1h15. Si j'ai réussi à dépasser ça, j'en serais vraiment super, super content. Ça me laissera vraiment de l'avance par rapport aux autres speedruns et du coup, vraiment pour la fin, de bien gérer, quoi, tout simplement. Donc ici il y a toujours des ennemis dans cette salle, hein. Ça change pas de la dernière fois. Donc là par contre non, voilà je veux pas que tu chopes ma Yorda. Mince, donc là c'est la perte de temps absolue. Donc là je la prends par la main et on se casse tout de suite. Donc là j'ai perdu 5 à 6 petites secondes je pense sur cette zone. Donc tout simplement à cause de la petite boîte, vous avez vu que j'ai grimpé sur une toute petite boîte en carton en fait. Et cette boîte m'a coûté en fait tout simplement du temps. Voilà, donc là je gère tout le monde d'un coup. Donc il faut savoir que l'attaque que je viens de réaliser est très très utile quand vous avez un gros paquet d'ennemis comme ça et que Yorda vient de se faire capturer. Donc là je suis en train de perdre un petit peu de temps, c'est vraiment dommage, je pense que j'ai perdu une petite trentaine de secondes à cause de tout ça au total. Donc je suis monté sur la petite boîte en carton et ça m'a fait perdre du temps parce qu'elle m'a lâché la main au moment où je suis redescendu. Et du coup ça c'est assez chiant. Donc là bon je vais l'emmener directement à pied, hein. Je vais pas essayer de faire le ouf et de tout simplement la transporter via des appels. Parce que là j'aurais pu directement sauter et l'appeler ensuite, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc là on va faire le chemin normal. Donc l'attaque, hop, et ensuite on va se diriger vers la porte principale. Donc j'espère que je suis encore en avance. Franchement je croise les doigts parce que j'ai encore fait des erreurs. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont optimisables quand même dans mon speedrun. Donc si en plus je suis en avance, vous avez vraiment moyen de carburer et vraiment d'optimiser un maximum votre partie. Enfin, en faisant pas les mêmes erreurs que moi, ou alors en faisant d'autres, vous pourrez avoir un temps équivalent au mien. Du coup, après c'est à voir. Donc là, du coup, on sauvegarde. Oh là là, ça me fait plaisir d'être arrivé à la porte principale. C'est la dernière sauvegarde du jeu, il faut le savoir. Donc là, du coup, hop, je sauvegarde. Du coup, et je vais tout de suite aller voir les temps. On va sauvegarder sur le cimetière parce que ça fait longtemps et j'aurais plus trop besoin de cette sauvegarde. 1h15 27, je suis encore en avance, c'est un pur bonheur. Donc 1h15 27, sachant que sur le site le temps est de 1h19 58, donc j'ai 4 minutes d'avance, même presque plus, 4 minutes d'avance, presque 5 minutes. Et pour le guide il fait 1h16 55, donc j'ai 1 minute et demie à peu près d'avance sur ce temps là Donc voilà pour cette quatrième partie de speedrun sur ICO, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire ou message privé, j'y répondrai avec plaisir. Moi ça a été une pure purge pour moi réaliser cette vidéo, mais franchement ça m'a fait plaisir de réussir à arriver jusque là en 1h15 et de réussir à réaliser ce speedrun. J'en vois bientôt la fin. Donc là, après, c'est le dernier point de sauvegarde. Donc du coup, après, je pourrais pas trop sauvegarder, etc. Donc du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est faire tout d'un seul coup. Mais par contre, je ferai ça par segment. C'est-à-dire que je ferai pause, arrive à un moment. Et là, je vous dirai, je fais une petite coupure. Histoire que si jamais je meurs, que j'ai pas tout à refaire et que ça soit super chiant, du coup, pour vous comme pour moi. Donc du coup, voilà. C'est la fin de cette quatrième partie. On s'attaque tout de suite à la dernière partie du speedrun, c'est-à-dire la cinquième. A tout de suite.